Son téléphone ne répond pas. Où est-ce qu'elle se trouve? Elle aurait déjà dû être ici. Je vais encore essayer. Mais où se trouve donc Pragatier? Que je fais? Akbir est tellement enthousiaste pour ce rendez-vous. Si je l'appelle maintenant, il va tout quitter pour venir ici. Non, non. Je vais aller là-bas et tout lui dire. Mais pourquoi elle décroche pas? Elle suit toujours les codes de la route, cette Pragati. Akbir? Une danse. Laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois un homme, fou et brisé, qui parfois tombait et parfois pleurait. Il ne vivait que dans son monde à lui. Ensuite, un jour, une jeune femme, une belle étrangère, est venue lui prendre la main. Elle lui a dit que, en amour, il n'y a pas de risque de tomber, mais que, au contraire, l'amour pouvait l'élever. L'amour est gai. Qu'il ne devait pas regarder en arrière. Parce que s'il le faisait, il allait finir par se blesser. Ton cœur sera toujours seul au milieu d'une foule de gens. Apprends à vivre ce jour. Car la vie, c'est maintenant. Prends dans tes bras la personne qui hier t'a tenu la main. Je suis cet homme. Et cette femme étrangère, c'est toi, Pragatier. Monsieur Akbir. Ce soir, je parlerai. Et tu vas m'écouter.
C'est toi qui m'as appris à vivre. Et comment me relever? Tu as redonné vie à un mort. Et lui as montré à quel point la vie est magnifique. À quel point il est important de rire dans la vie. Je pensais que l'alcool était mon remède. Mais tu m'as démontré combien les prières peuvent être efficaces. Mais j'avais presque jeté l'éponge. L'homme qui vit dans l'obscurité ne vit que pour lui-même. Tu m'as appris à vivre dans la lumière. Et pour tout le monde. Depuis que je me suis rendu compte de cela, j'ai voulu te dire, Pragati, que... tous les sentiments qui sont en moi t'appartiennent. Je voulais te le dire tout ce temps. Pragati, je... Pragati, je... Ragbir ! Ce n'est rien, voyons. Les lumières se sont éteintes. Pourquoi as-tu si peur, dis-moi ? Qu'est-ce qu'il y a, Pragati ? Pourquoi as-tu donc si peur ? Il ne s'est rien passé. Ce ne sont que les lumières. Je vais aller voir ça tout de suite. Non, non, non. S'il vous plaît, ne me laissez pas seule. S'il vous plaît, restez ici. Non, vous plaît. Non. Je ne pars pas. Je n'irai nulle part. Je n'irai pas. Je reste avec toi. Je vais rester ici. Directeur ! Directeur ! Oui, monsieur ? C'est quoi ces arrangements ? Pourquoi cette coupure de courant ? Pardon, monsieur ? Un court-circuit ? Donnez-moi juste 2 minutes, s'il vous plaît. Qu'as-tu donc, Pragati ? Pourquoi as-tu si peur ? Non, pour rien. C'était juste le courant. Pourquoi tu t'es mise dans cet état pour ça, hein ? Pragati, où t'es-tu fait ça ? Et comment, dis-moi ? Je te pose une question. Je ne peux pas te dire ce qui vient juste de m'arriver. Dis-moi, Pragati, ce qui t'est arrivé. Et comment, dis-moi ? D'où vient cette blessure ? Je venais pour vous rencontrer quand j'ai été heurtée par un motocycliste. Je suis tombée. Tu aurais dû me le dire. Tu aurais dû m'appeler tout de suite de là-bas. Mais c'est que... vous étiez si content de ce rendez-vous, et vous avez planifié tout ça. Si je vous avais fait venir, tout ça aurait été gâché. Pragati, à quoi sert tout ça ? Et pourquoi j'ai fait tout ça ? Pour qui j'ai fait tout ça ? C'est pour toi, n'est-ce pas ? C'est toi qui es la plus importante que tout. Pragati, s'il t'arrivait quelque chose, tu aurais dû me l'avoir dit. Je peux supporter n'importe quoi. Mais il ne devrait rien t'arriver. Tu ne t'es pas fait mal ailleurs. Je voulais te dire que c'est moi que je suis ta Bani. Mais je n'ai pas pu te le dire. Je n'ai même pas pu te dire que la personne qui a tué Bani a tenté de m'assassiner ce soir. Je ne sais pas qui elle est, mais cette personne, elle sait qui je suis. Je ne sais pas, inspecteur, mais je veux trouver cet homme. Vérifiez les caméras de surveillance. Interrogez les gens, faites n'importe quoi. Je veux cet homme. Compris ? Merci. Écoutez, s'il vous plaît.
Ne parlez à personne à la maison de cet accident, je vous en prie. Oh, mais Ragbir, Pragati, vous êtes revenu si vite? Oui, ils ont raison. Vous êtes à peine sorti? Que vous revenez déjà? Oui, c'est Comment ton sari s'est-il sali, Pragati? Elle a tendance à porter la mauvaise longueur de sari. Hein? Et ce soir, son beau sari s'est accroché à ses talons. Elle est tombée et alors nous sommes rentrés. Ma fille, tu vas bien, n'est-ce pas? Oui, maman Kunti, je vais bien. Mais moi, je ne vais pas bien. Je suis vraiment très en colère. Ne t'en fais pas. Vous pourrez sortir un autre jour. Vous aurez plusieurs occasions de le faire maintenant. Tu auras encore une occasion, mon frère. Quelle occasion? Le mariage de votre fille, bien-aimée Priya. J'ai demandé sa mère, Priya. Et elle a dit oui. Regardez la bague de Dev. Elle est belle, hein? Oh, waouh! Félicitations, Priya. Waouh, Priya, tu es une vraie petite futée. Je t'ai laissé partir pour une sortie et tu as déjà fixé votre date de mariage. Dis donc, maman, tu n'es pas contente pour moi? C'est toi qui m'as dit que Dev est très gentil, non? Je te l'ai dit, mais tu aurais au moins dû me prévenir. Tu sais très bien comment est ton père. Je ne sais pas s'il sera d'accord si facilement. Pourquoi refuserais-je? Moi, je voulais simplement tester sa bonne foi. Et pour ma part, je dis oui. Merci, papa. Merci. Merci, monsieur. Sois heureux. Mais écoute-moi, j'ai une totale confiance en toi. Mais je ne suis pas sûr pour tes parents. Est-ce qu'ils pourront aimer ma fille autant que toi, tu aimes ma Priya, hein? Vous m'avez fait confiance, alors je ne vous décevrai pas. Ah! Ce serait bien mieux pour toi, parce que si je vois une seule larme dans les yeux de ma Priya, je te promets, je vais te... Mon oncle, t'en fais surtout pas. J'ai effectué le test de Dev en détail. Ah. Dev sait bien que les malotras peuvent être des personnes vraiment très douces, mais aussi très fermes, non? Hein, Dev? Oui, oui. Notre Dev aime quand c'est doux, ferme et épicé aussi. Ah, quoi, c'est vrai? Oui. Alors testons-le pour l'épicé. Viens manger un repas avec nous. Viens, viens. Ah, mais... Oh, Dev, oncle Gopi va te faire manger épicé. Fais attention. Ah, mais non, non. Viens, viens. Viens par ici. Je ne lui ai pas parlé de l'incident du motocycliste. Mais si pendant cette enquête, tout montre que cette attaque est planifiée, alors... Que voulez-vous dire par la caméra ne marchait pas? C'était donc planifié? Mais comment on peut le retrouver alors? Laissez donc. Je me débrouillerai. Mais quel bon à rien. Même leurs excuses paraissent inacceptables. Les caméras de surveillance ne marchaient pas. Voyons, ne vous stressez pas. Vous voyez, je vais parfaitement bien. Et si jamais tu t'étais blessé? Et si la moto t'avait roulé dessus? Pragati, si jamais je le trouve... Mais oubliez donc ça. C'était sans doute un fou. Retrouvez donc votre bonne humeur. La colère ne vous va pas du tout, je vous jure. S'il vous plaît. Ah oui? Alors, quelle humeur te plaît le mieux, hein? Maman Kunti!
Très bien, mon gars. Mets-toi au boulot. C'est quoi ce bruit dans la chambre de Pragu? Oh, mais dites-moi, où êtes-vous en train de m'emmener? Si je devais te le dire, alors pourquoi t'aurais-je bandé les yeux? Ah. Avance. Avez-vous... Oh, quand l'avez-vous fait? Quand tu étais occupé à parler avec Priya, Nakul et Shefali, j'ai œuvré tout seul pour créer cette ambiance. Faites voir, qu'est-ce que vous avez préparé? Attends. Non, pas aussi facilement. Pourquoi es-tu pressé? Nous avons toute la nuit devant nous. Et je pense qu'on va faire plein de choses, oui. Priya. Un texte allez, de Priya. Allez, s'il te plaît, éteins ton téléphone, tu veux. Oh, ça cache toute l'ambiance, Pragati. Elle veut peut-être un renseignement? Elle ne veut rien savoir. Tout ce qu'elle veut savoir, c'est ce que nous faisons ici. C'est une perte de temps, tu vois. Et rien d'autre. Oublions-la. Allez. Dis donc. Tout cela sent extrêmement bon. Merci. Dites-moi, c'est quoi tout ça? Non, je ne te le dirai pas. Pourquoi? Jouons tout d'abord. Tu devras tout d'abord fermer les yeux. Ensuite, tu goûteras chaque chose pour me dire ce que c'est. Je vois. Vous jouez à mon jeu de devinette avec moi? Oui, oui. Tu as des droits exclusifs sur ce jeu? Ce jeu, n'importe qui peut y jouer. D'accord. Allez, alors. Ferme les yeux. D'accord. Bon, très bien. Nous commençons. Ta-da-ta-dam, ta-da-dam. Ta-da-dam. Aha. Mes préférés, des biscuits au cumin, c'est ça? Vous voyez? Bah dis donc, tes papilles sont vraiment étonnantes. Mais je me rappelle d'un truc si je peux. Tu devrais rendre tes yeux aussi puissants que tes papilles, elles sont développées. Si un motocycliste avait renversé encore une fois, alors ce dîner aurait été une faillite. Pardon, je m'en suis rappelé. Qui est là? Il y a quelqu'un? Qui est là? Il n'y a personne ici. Mais le bruit venait de là. Qui est là? Qui va là-bas? Ah, ah, ah.